Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le sermon de vendredi intitulé « Le noble Coran et sa méthode en matière du public, le monde, l'univers ». Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre « C'est lui qui vous créa de la terre et vous confia de la publier ». J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, l'unique source de canne associée, et que notre maître Mohammed est son serviteur et messager. Ô Allah, accorde ton salut et tes bénédictions à lui, sa famille, ses compagnons, et ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, le noble Coran est le livre éternel et inimitable d'Allah, quiconque parle avec lui est véridique, quiconque juge en fonction duquel est juste, dit lui, les ulama ne sont jamais rassasiés, ces miracles sont loin de s'épuiser. Lorsque les djinns les cotèrent, ils dirent, nous avons certes entendu une lecture, c'est-à-dire le Coran, merveilleuse, qui guide vie vers la droiture, nous y avons cru et nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. Allah, gloire à lui, dit également dans la même perspective, certes ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit et il annonce aux croyants qui font des bonnes œuvres et qu'ils auront une grande récompense. Notre prophète, celui, bénédiction sur lui, dit, Allah a des alliés parmi les humains. On interrogea qui sont ceux-là au messager d'Allah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit répondre, les gens de Coran sont les alliés élus d'Allah. Il dit également, sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur parmi vous est celui qui apprend et enseigne le Coran. Le noble Coran accorde une attention particulière au peuplement de l'univers. Allah, gloire à lui, créa l'homme et lui assujettit le cosmos et tout ce qui s'y trouve pour que l'homme le réforme et le peuple. Allah, gloire à lui, dit, il a soumis à votre service les vaisseaux qui, par son ordre, voguent sur la mer et il a soumis à votre service les rivières. Et pour vous, il a assujetti le soleil et la lune à une perpétuelle révolution, et il vous a assujetti la nuit et le jour. Allah dit également, dans le même sens, n'as-tu pas vu qu'Allah vous a soumis tout ce qui est sur la terre, ainsi que le vaisseau qui vogue sur la mer par son ordre? Il retient le ciel de tomber sur la terre, sauf quand il le permettra. Car Allah est plein de bonté et de miséricorde envers les hommes. Allah dit dans le même sens, et il vous a assujetti tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, le tout venant de lui. Il y a là des signes pour des gens qui réfléchissent. Il dit également, c'est lui qui vous a assigné la terre comme les berceaux, et vous y a tracé des chemins, et qui du ciel a fait descendre de l'eau avec laquelle nous faisons germer de couples de plantes et de toutes sortes. La méthode du Coran, du noble Coran en matière du peuplement de l'univers est globale, qui renferme toutes les formes de développement, de réforme et de peuplement. Il ordonne de parcourir la terre, de marcher dans ses coins et d'extraire ses trésors, fruits, biens et provisions qu'Allah unit. Allah, gloire à lui, dit, c'est lui qui vous a soumis la terre. Parcourez donc ces grandes étendues, mangez de ce qu'il vous a fourni, vers lui et la résurrection. Ibn Kathir, qu'Allah l'agrée dans sa miséricorde, dit, Allah rappelle son bienfait accordé à ses créatures où il lui a soumis la terre par la parfaite stable et inébranlable grâce à ses montagnes. Il y fait couler les sources d'eau, il traça les voies et y mit les utilités et les endroits de plantes et fruits. C'est pourquoi il faut y marcher, parcourir ces contrées et se déplacer dans ces coins en quête de subsistance. Il y a eu ordre de parcourir la terre en quête de gain de vie et de publier la terre tout de suite après l'ordre de faire les actes cultuels. Allah, gloire à lui, dit, ô vous qui avez cru quand on appelle à la salate du jour de vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez tout négoce. C'est cela bien meilleur pour vous. Si vous saviez, puis quand la salate est achevée, dispersez-vous sur la terre
et recherchez quelques faits de la grâce d'Allah et invoquez beaucoup Allah afin que vous réussissiez. Irak ibn Malik, qu'Allah l'agré, lorsqu'il terminait la salade de vendredi, partait et s'arrêtait devant la porte de la mosquée et disait, « Oh Allah, j'ai répondu ton appel, fis ta salade et parcourez la terre comme tu me l'ordonnas. Accorde-moi de ta grâce, tu es le meilleur pourvoyeur. » Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et la bénédiction d'Allah soit accordé au dernier de prophètes et messagers, notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, à sa famille et à tous ses compagnons. L'appel coranique à publier l'univers exige de déployer les efforts pour cultiver la terre. À l'occasion de rappeler ses bienfaits accordés à ses serviteurs, Allah, gloire à lui, dit, une preuve pour où est la terre morte à laquelle nous rendons la vie et d'où nous faisons sortir des grains dont ils mangent. Nous y avons mis des jardins, des palmiers, des vignes et y avons fait jaillir des sources afin qu'ils mangent de ce fruit et de ce que leurs mains ont produit. Ne seront-ils pas reconnaissants? Allah dit également, que l'homme considère donc sa nourriture, si nous qui versons l'eau abondante, puis nous fondons la terre par fusion et y faisons pousser les plantes, et les grains, vignobles et légumes, oliviers et palmiers, jardins touffus, fruits et herbages pour votre réjouissance et vous et vos animaux. Le prophète, salut et bénédiction sur lui, nous montre la rétribution de celui qui peuple la terre par le biais de l'agriculture en disant aux musulmans qui plantent ou cultivent un champ ou duquel mange un oiseau, un être humain ou une bête, il lui sera la rétribution d'une charité. Il dit également, si l'heure sonnera alors que l'un de vous a un petit palmier, s'il pourrait ne se lever qu'après l'avoir planté, qu'il le fasse. Donc, ce peuplement exige également de perfectionner le travail, soit s'agit-il d'une industrie, profession, métier, et l'observance de valeurs éthiques en commerce, vente, achat, remboursement, solidarité et interclémence. Oh Allah, préserve notre pays, l'Égypte, et élève son drapeau dans l'univers. Wassalamu alaikum wa rahmatullah, Dr. Kamal Gadhan.